Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une vidéo les Sims 4 et je vais faire les personnages d'une série assez ancienne maintenant, mais une série que j'adorais quand j'étais plus jeune, ça s'appelle Charmed. Donc nous avons trois personnages, ce sont les trois sœurs Halliwell. Et en fait, moi ce que j'ai décidé de faire dans ce quartier, dans cette ville, c'est de créer en fait une ville surnaturelle. Alors je vous montrerai par la suite. Par exemple, ici, si vous connaissez Buffy, on a Sunnydale High School, donc le lycée de Sunnydale. Ici, nous avons Riverdale, le Pops Diner. Donc, ça, c'est pas surnaturel, mais ça sera inclus dans cette ville. Ici, nous avons la maison de Jughead. Toujours dans Riverdale, ici, la maison Blossom. J'ai fait beaucoup de Riverdale. La maison Cooper, la maison Andrews, donc Archie. Ici Sabrina Spellman, avec je ferai les tentes aussi, je ferai une vidéo. Alors ici Charmed, donc je vous montrerai la maison par la suite. Alors je n'ai pas fait les maisons, hein. Je les ai importées de ma galerie ici, voilà. Ici j'ai fait le motel pour les deux frères Winchester de Supernatural. Voilà, il y aura des épisodes que je ferai. Et ici la maison de Buffy Summers. Alors je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Non, je pense que tout est fait. Donc là, il y aura une petite place. Je devais mettre la crypte de Spike, mais ça a bugué, je n'avais pas tous les objets. Voilà. Allez, c'est parti pour la création des trois sœurs. On va commencer par Prue, la principale, qui reste que 2 saisons, il me semble. Oui. Par contre, je vais mettre en accéléré. Voilà, ça sera beaucoup plus simple et plus agréable pour vous. Allez, c'est parti.
voilà pour Prue, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai eu beaucoup de mal à la faire. De loin, elle ressemble pas, de près. Il y a un petit truc. Mais j'ai du mal, j'avoue que j'ai du mal. Je sais pas si ça vient peut-être de là. Bon, c'est pire quand je fais comme ça. Bon, on va dire que c'est bon. Elle a peut-être les sourcils moins longs sur le côté là. Je sais pas, j'ai du mal. Allez, on va passer maintenant à sa sœur. On va faire Phoebe. Ok, pour Phoebe, je sais pas si j'ai réussi, vous allez me dire en commentaire, mais c'est tellement dur à faire. Oula, j'ai bougé le nez. Au secours. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté le nez encore. Bon, voilà. Un petit truc, mais... J'ai pas complètement... Elle a tellement fait de coiffure en plus. Bon, on va rajouter Piper. Thank you.
sais pas ce que vous en pensez. Il y a des petits faux airs. Le grain de beauté, normalement, il est pas là. Mais j'en ai pas d'autres. Normalement, il est plus près de l'œil, là, ici. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Donc, je vais mettre la personnalité avec vous. Alors, je m'appelle plus trop, ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu. Donc, elle serait plus... Je sais pas. Peut-être la créativité ou l'amour. On va la mettre âme sœur. On va dire perfectionniste. Je m'en rappelle plus trop en fait. Vous devez le savoir mieux que moi. Ambitieuse. C'était Phoebe qui était ambitieuse. Mettre proche de sa famille. Bienveillant. Alors Phoebe. On va mettre amour aussi. Elle a été un petit peu joyeuse, elle, ouais. Active. Zila. Créative. Oh. Bon. Elle était plus posée, ça je m'en rappelle. On va mettre... Amour aussi. Âme sœur, elle voulait leur âme sœur Joker. Chacune, pardon. Elle était... On va la mettre plus intelligente. Soignée, je dirais. Et... Proche de sa famille. Voilà. Bon, on va les mettre dans leur petite maison. Alors les voix par contre... Oh là là. Voilà, histoire qu'elles n'ont pas la même voix. Ça, c'est bien. De qui je suis le plus fier, c'est peut-être Prou. Vous êtes prêts? On y va. Hop. Alors j'ai pris ça sur ma galerie aussi, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, le manoir. Alors on va les mettre... On va faire quoi? 4 poses. Je suis en pause là ou quoi? Ah oui. Aga. Buna. Parsagaprabe. Maranoi. Elle ressemble pas trop. Hein. Ah, Prou. Il y a un petit truc quand même pour Prou. Clamph, Nurchel Quosinex. And Fabi Narble. Frange. Pardu Skidna. Foisha Zabrice. Baribi. Damse Bruhana. Allez. Alors regardez un peu le manoir qu'ils ont fait, c'est magnifique. Alors on va peut-être mettre ici s'asseoir. Elle aussi s'asseoir et discuter. Voilà.
Regardez ça comme c'est beau. Ouais, elles viennent ou elles viennent pas? Vous êtes toutes là, les sœurs? Il était une fois les sœurs Halliwell, trois sœurs sorcières. On essaye de trouver un angle de vue, on les voit bien. Zarf Samzo. Quing. Quing. Abba. Kankuya Slekem. Oh, Kanchibo Laba. Kurgadan Yadavelt. Branka Flanobo. Lissarag. Ah, le nez de Phoebe, il est trop petit, là, je me rends compte. Elle a un petit nez, mais pas aussi petit. Alors, on va aller dans une autre salle. Allez, elle en a discuté dans le salon et elle décide d'aller discuter ici. Hop. Allez, asseyez-vous et reposez-vous dans cette petite véranda, moi je dirais. Ah là. Mais pourquoi tu pars, toi? Oh, mais partez pas, je dois faire une photo. Et discuter entre vous. Oh, vous êtes vraiment embêtant. Bon. Les sœurs discutaient de pop, de glace et de muffins et de bébés. Allons prendre le thé. Alors, il faut toujours une qui se lève. Ah, c'est bon. Alors attendez. Ah, parfait. Alors regardez-là. C'est le début de la série. Il était une fois les sœurs Halliwell. Ah oh bah ça y est, elles se sont levées. Bon, à part Piper. Et non, disons que donc Piper, c'est elle qui va faire la cuisine. Alors, où est la cuisine ici? Elle est là-bas, je pense. Alors regardez cette cuisine, elle est magnifique. Elle ressemble trop à la série, me semble. Elle a mangé un repas, non. Bon, on va retirer les murs parce que ça me gêne. Elle va préparer, servir le petit déjeuner. Elle fait ça dans la buanderie, y a pas de place là, sérieux. Je vais me débarrasser d'un truc. Bon, continuons l'histoire. Pendant que Piper préparait les œufs au bacon, ah, Sam Winchester arrivait, le voisin, pour faire connaissance avec les sœurs Halliwell. Ah bah dis donc, il y a tout le monde là. Il y a aussi Dean et un autre voisin. Décidément. Verrouiller la porte, trop drôle. Bon, allez, on va faire inviter. Ah, je lisais un livre. C'est pour nous, c'est gentil, ça s'invite bien. Hein. Pendant ce temps, Phoebe était dans sa chambre. Elle était en train de lire des formules magiques. Très intéressante pour améliorer ses pouvoirs parce qu'en fait elle aime pas lire, mais bon, on lui a dit de lire. Prue lui demande: mais qu'est-ce que tu fais?
Ah, tu lis ce livre? Je vais le lire aussi, il y a des sorts qui m'intéressent. Je vais aller le ranger. Je le lirai plus tard. Pendant ce temps, Piper regarde la vue. D'accord. Elle pourrait discuter avec... avec Dean, qui fait la tête. Il n'est pas content, Dean. Il y en a qui font des selfies, qui s'invitent. Piper ne comprenait pas pourquoi ses voisins étaient aussi envahissants. Pour aller dans la salle des sorts. C'est ça? Eh ben, va y aller. Alors, pour y aller, par contre, ce qui est chiant, c'est sortir les murs. Voilà. Regardez, c'est ici que les pouvoirs des trois peuvent s'accomplir. Grâce à ces livres. Et activer l'aura émotionnelle. Et il faut que le pouvoir des trois agisse maintenant pour voir si les voisins sont fiables ou pas, ou ce sont des démons. Allez les sœurs, montez à l'étage. Les voici, le pouvoir des trois. Mais elle reste pas, hein. Allez, venez. Voilà le pouvoir des trois. C'est parfait. Nous sommes les sœurs Halliwell. Ses voisins m'ont l'air un peu suspects. Je dirais Dean et Sam. Ils ont un lien avec le surnaturel. Enquêtons. Oui, nous avons plusieurs livres. Ce sont des chasseurs de démons. Oh, mais nous sommes des sorcières, nous devrions faire attention s'ils nous chassent. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'ils ont un bon aura. Ils doivent savoir que nous sommes des sorcières, et en fait, ils sont venus voir si nous étions des bonnes sorcières ou pas. Oui, je pense que c'est ça. Voilà. Ah, je vous fais des histoires, hein, mais je pourrais vous faire des séries un peu plus travaillées. Dean est venu les surveiller. On sait. Dean, que tu es un chasseur. Ah, d'accord, vous êtes des sorcières alors. Oui, mais de bonnes sorcières, nous. Nous essayons de vaincre le mal. D'accord. Ça nous rassure, Sam et moi. Nous sommes chasseurs depuis longtemps, depuis la mort de notre mère. Hop. Pendant ce temps, Phoebe lit plein de livres. Et Prue est assez fière. Elle se lave les mains. Du coup, ok. Je dois être jolie pour Dean et Sam. Non, je rigole, je m'en fiche. C'est Phoebe qui veut draguer. Non, lit des livres. Et pendant ce temps, Piper est un petit peu en mode qu'est-ce que je fais maintenant? Pendant ce temps, Dean enquête sur le voisin bizarroïde. Nous devons enquêter sur les nouveaux démons du quartier. Tout à fait. Il paraît qu'il y a des sorcières aussi dans le quartier. Il faudra surveiller. Qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là? On va la chasser. On a cassé ma maison. Elle a cassé la maison. En ce moment que j'ai des pouvoirs pour réparer. Vous voulez pas vous casser? Regarde ce que t'as fait. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. C'était pour tester tes pouvoirs. Je suis une démon. Je m'appelle Démonia. Elle ressemble un petit peu, Prue. Bon, en version caricature quand même. Elle n'est pas à ce point. Chlouk! Allez, fight! Hihi. Au revoir! Ne reviens plus dans mon manoir. Et pendant ce temps, Phoebe fait tout. Ça lui ressemble pas normalement à les dragouilles. Et Piper, elle analyse, elle observe. Elle aime bien
marcher. J'espère que cette vidéo vous a plu, voilà. Désolé, je suis un peu malade. J'ai fait cette vidéo malgré ma petite grippe, mais je voulais vous la faire absolument. Je ne suis pas content de l'avoir fait. Elle est un peu plus approfondie que les autres parce que j'ai un peu montré bah, la maison Halliwell et tout ça, l'environnement. La prochaine fois, je ferai Riverdale avec donc les bâtiments et les personnages. Je vous remercie tellement d'avoir regardé, ça me fait trop plaisir de partager ça avec vous parce que je suis super fan des Sims. Et créer des petits univers comme ça, des petites histoires, c'est très très sympa. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne, salut!